Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, là on est sur Trial Rising. On va faire le Canyon Crash. Donc oui, pour vous montrer. Donc je vais faire comme la vidéo d'avant. La vidéo d'avant, j'ai fait plus d'explications. Cette vidéo-là sera un peu plus courte. Mais là, je vais vous faire montrer. Je vais faire la course à peu près 2-3 fois, on verra. Donc la première fois, je la fais comme j'expliquais, je la fais normale sans rien. La deuxième fois, je la fais avec les figures. Si possible, je placerai des figures. Et la troisième fois, j'essaie d'être premier. Donc voilà. Et comme ça vous permet de voir en plusieurs fois. Et pourquoi je fais des vidéos sur chaque, par exemple, course, pour justement éviter. Il y a des gens peut-être qui vont préférer voir telle course et telle course. Ou il y a des gens qui vont dire, ah ben, je veux voir juste cette course-là pour voir comment il a fait ou comment il a placé. Donc, et ça évite de faire des vidéos qui durent 3 heures. À savoir aussi que j'ai coupé la musique derrière. Bon, déjà, premièrement, pour les droits d'auteur, mais après, je m'en fous parce qu'entre parenthèses, je suis pas monétisé. Mais c'est du hardcore en vérité, entre parenthèses. Je suis pas trop fan de ces musiques-là. Donc, j'ai préféré couper la musique. Mais derrière, il y a un son un petit peu. C'est des musiques hardcore, on va dire. Et hardcore, hard rock, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas trop mon style de musique. Donc, j'ai coupé la musique derrière. Et comme ça, je serai pas trop embêté. Et même envers YouTube, je suis pas trop embêté au niveau des droits d'auteur. Même si je perçois rien, mais voilà, ça évite d'avoir des. Comment dirais-je, des avertissements pour des droits d'auteur ou des choses comme ça. Donc là, voilà, je vous dis tout de suite, je le fais comme j'ai dit tout à l'heure, sans rien, sans figure. Je le fais en normal, juste pour vous montrer comment il est le parcours, on va dire. Bon, cette moto-là n'est pas fournie au départ du jeu. C'est une autre moto qui est fournie au départ du jeu. Voilà. Donc là, on est sur checkpoint numéro 5. Là, c'est des grands grands sauts, hein. Là, j'ai assez raté. Ouais, voilà, j'ai raté. Juste très proche. Là, par contre, il y a possibilité de placer pas mal de figures. Pourquoi? Parce que ben, les sauts sont assez. Donc on croit qu'on va partir tout droit, mais bon, on va partir en bas. Voilà. Là, on va placer des sauts. Donc voilà. 1, 2, voilà. Ça sert à rien vraiment d'en faire trop. Parce que quand on en fait trop, vous calculez votre hauteur en vérité. Mais quand on en fait trop, en vérité, il y a des moments, ben, ça. La moto après va se mettre à tourner trop vite et vous n'arriverez pas. Ah voilà, par exemple. Comme là, bon voilà. Vous n'arriverez pas à la récupérer la moto. En vérité. Quand vous faites des sauts, là comme là, on peut en placer un deuxième, mais. Voilà, vous voyez, c'est assez juste. Donc là, je vais pas pour la première place. Hein. Je fais juste pour vous mettre des figures. Là, vous voyez, 1, 2, et après, bon, peut-être on aurait pu placer un troisième. Mais après, à des moments, comme je vous dis, la moto, elle a tendance à pas s'arrêter de tourner. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à placer un troisième. Voilà, ouf, tout juste. J'ai récupéré sur la roue. Alors là, il faut faire super attention que la moto ne part pas en running. Voilà. Donc là, je suis pas. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, je vais essayer d'être premier. On est parti, on va essayer. Donc pour être premier, il y a des moments, on essaye de mettre trop de. Comment dirais-je, de figures. Parce qu'à des moments, vous allez devoir faire le jeu avec figure. Et à un moment, vous allez devoir le faire sans figure. Donc par exemple comme là ils vont me dire bah voilà vous faites telle course mais vous devez faire autant de flips, autant de ceci, autant de cela. Tandis que là par exemple c'est une course libre, donc vous n'avez pas besoin de faire de figure. Si vous voulez en placer une, vous pouvez placer une figure, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas besoin d'en placer, ben, vous en placez pas. Par contre j'ai fait une course hier au soir. Là ils me demandaient de faire 12 flips avant et black flip, comme ils disent, avant, arrière. Bon après je connais, comme je vous dis, je suis dans le trial, je connais rien du tout, donc je suis pas trop dans ces termes là. Donc, je veux pas vous dire oui ben j'ai fait ça ou j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Tel terme un peu spéciaux on va dire. Voilà, là je suis quatrième, mais bon, au niveau temps, je suis hors. Donc c'est quand même. Il y a des moments c'est là. Enfin, on va pas dire, je vais pas dire que c'est mieux d'être premier, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais dans le jeu, en vérité, vous avez médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Donc l'idéal, c'est d'être dans le médaille d'or.
Moi, j'ai déjà été premier dans tous. Donc, c'est pas parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui, j'ai déjà été premier. Le problème, c'est que bah, c'est des courses que j'ai déjà fait il y a quelques jours et que faut reprendre l'habitude. Je ne veux pas vous mentir, une course, pour pouvoir la faire tranquillement, quelque chose de super propre, il faut compter. Moi, je veux dire, j'en fais au moins une vingtaine de fois d'affilée pour vraiment savoir à quel moment sauter. Parce que sur ce jeu-là, il faut pas que accélérer en vérité. Au départ, les jeux trial, c'était un peu comme ça, on accélérait et puis c'était tout, on passait partout. Là, non, ça marche pas comme ça. Il y a certains endroits où il faut justement freiner pour prendre la bosse moins haut, pour pouvoir redescendre plus vite et accélérer plus rapidement. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai fait le jeu complètement à fond, j'ai accéléré à fond. Il n'y a qu'un moment où j'ai freiné. Mais il y a des moments où vous ne devez pas faire ça en vérité. Vous devez accélérer, décélérer, et essayer de prendre les bosses en vérité le moins haut possible. Au plus la bosse elle est haut, au plus vous allez monter, mais quand vous êtes dans les airs, vous accélérez pas en vérité. Donc vous avancez pas. Donc ce qui se passe, voilà. Là, il faut le maximum, c'est de faire des sauts pas trop hauts pour pouvoir aller tout de suite sur l'accélération et là on passe devant. Donc voilà. Donc là, c'était pour cette manche-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Si n'hésitez pas, s'il n'y a pas de problème, si vous aimez bien ma chaîne, abonnez-vous, laissez des commentaires, vous pouvez partager, laisser des pouces bleus. Un aussi gros pouce bleu qui va s'afficher tout de suite sur votre écran. Voilà, comme j'explique, je ne fais pas de longues vidéos sur ce jeu-là. Je vais faire plus de petites vidéos, mais sur chaque terrain. Donc, avec le nom du terrain, donc on va dire celui-là, c'est le canyon. Ben, je mettrai vidéo du canyon parce qu'il y a des personnes, ils vont vouloir regarder qu'un certain circuit, en fait, une certaine partie. Ils vont pas vouloir, genre, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais un gars, il s'est dit, bon, ben, à tel endroit, je suis bloqué, ben, je sais pas trop comment il a fait le gars. Lui, il est arrivé premier, ben, il va peut-être regarder la vidéo pour voir. Ils vont pas regarder beaucoup de vidéos de moi parce que je suis pas un professionnel dans le trial. Et à mon avis, il y a des gens qui sont beaucoup mieux que moi. Et si je peux partager au moins ce. Moi, voilà, moi, mon but dans ma chaîne, c'est de partager. C'est de faire du partage de jeu. C'est pas de faire d'une publicité d'un jeu vidéo ou de dire le jeu, il est nul. C'est un jeu que j'ai pas l'habitude de jouer, c'est pas grave. On y va, on évolue, on verra bien. On aime bien, on aime bien. On n'aime pas, on n'aime pas. Voilà. Mais c'est moi, ma chaîne est centrée sur le partage. C'est pour vous faire partager ce que moi, quand je joue. Voilà. Je vous dis, allez, ciao et une bonne soirée.